Et salut tout le monde, c'est Métizo. Aujourd'hui on se retrouve pour la fin de notre aventure sur Old World Blues à mon avis. Donc j'ai déjà activé le DLC Lonesome Road pour après, comme ça sera fait. Et là, et ben installer la nouvelle mise à jour du cloaque. Alors, non, le cloaque. Alors on va installer cette mise à jour. Puis-je vous être utile, monsieur? Alors je sais pas parce que c'est pas vraiment revenu à ma... Ah merde, mon truc qui est tombé. Ma sauvegarde n'a pas été chargée en entière, du coup il manque des trucs, je sais pas ce que c'est. Donc alors il y a là ici. Ah voilà, le grippin. Salutations. Non pas le grippin, le presse-papier, bizarre, chelou. Et maintenant, installer les nouvelles mesures du nouveau clock. Voilà. Bien sûr, j'ai des niveaux qui ont été rajoutés à cause de Lonesome Road. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on va voir où est-ce qu'il faut aller maintenant. Quête. Carte du monde, ok. Faut aller là-bas. Ah bah c'est parti! Ah là là, donc désolé de pas avoir sorti tous les épisodes d'un seul coup, mais c'est juste qu'en fait j'ai fait beaucoup de Daisy et du coup ça m'a pris du temps et aussi il fallait que je sois le week-end pour pouvoir profiter pour faire des vidéos. Je me dépêcherai de faire Lonesome Road pour passer au planning suivant puisque je n'ai pas vraiment encore fait de mise à jour. C'est moi? Non, c'est pas des... Non. Je croyais que c'était des ennemis, ok. Alors, qu'est-ce que... Alors, le Beaux-Arts. Moi, ce que je veux, c'est un truc qui fait mal. Alors, allons voir, carte du monde. Allez, c'est parti. Ah, le dôme de la zone interdite. D'ailleurs, je sais pas s'il avait tout fouillé. Moi, ouais, c'est bon. D'ailleurs, je sais pas si je peux revenir au grand rien. Ouais, je pense. Le robot scorpion géant ne va pas faire long feu, car voyez-vous, je suis quelqu'un de assez armé. On va juste prendre un peu des... De quoi faire baisser toute cette radiation. Je vais prendre les plus meurtrières de munitions. Alors... Qu'est-ce que j'ai de meurtrier pour ce gros scorpion de merde? C'est quoi ce truc dégueu? Bref, allons chercher notre PD. Combat terminé.
Ah ouais, quand même, c'était un con. Il envoie des radiations, ce gros con. Avant d'aller là-bas, on va fouiller tous les étages du bas. Bon, bah, On nous observe. Sans déconner, on nous observe. Ah, il y avait des robots. Ah là là, je suis tellement balèze. Même pas besoin d'utiliser d'armes à feu, mais que des armes explosives. Ce n'est pas très fair play. Quelle arnaque. Ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse juste là un tout petit peu plus jour. Bon, on va commencer par... Si on va commencer par là. Déjà, on va aller prendre le pistolet pour enlever les boucliers, parce que sinon, ça va nous faire chier. J'ai trop d'armes, c'est trop dur de s'y retrouver. Pardon, je vais vous dire que j'ai un peu attrapé froid ces derniers jours. Putain, y a rien d'intéressant. Qu'est-ce que ça, trois tiroirs? Ah, il y avait une capsule. Attends, hop là. Hop là. Merci pour Monsieur Capsule. Alors, comme... Oh, un sac. Y a rien dedans, en plus. Et le reste on s'en fout, hein. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Des balles, des munitions. On y attire à l'arigot. Pourquoi se faire chier? Allons à la rencontre du docteur Mobius. Putain, une personne normale n'aurait pas survécu en temps normal. Mais comme je ne suis point normal, j'ai survécu, voyez-vous. Putain. Je déteste tomber sur des trucs déchargés. Enfin, ça plaît à personne, je pense, mais bon. Vous avez vu cette arnaque? Rien à prendre. Il aurait fallu qu'il fasse encore plus noir dans le jeu, ça aurait été cool. Hein. Ah. Ça sert à rien maintenant qu'il est mort, mais bon. C'est toujours bon la drogue. Les enfants, prenez de la drogue. Non, je déconne. Enfin, j'espère pas que vous allez écouter mes conseils parce que ce n'est pas souvent les mieux à écouter. J'aurais bien essayé.
Ah, toujours bon de boire du sang, car on est des vampires. Ah ouais, ça c'est sûr, ça aurait été assez sympa si on avait pu modifier les tourelles à temps. Mais bon, on n'aurait pas gagné autant de temps. Armoire à outils. Ah, il y a une épingle à cheveux. Pire, c'est pas grave. Hein. Je suis sûr que le docteur Mobius c'est une grosse tapette, genre en 2-2-3 d'engouement, je vais le défoncer. Et voilà, qui est terminé pour le cloaque. À chaque fin d'épisode, je vais me droguer à fond avec tout ce que j'ai récupéré. Ouh, où allez-vous là? Ah, ok, c'est pas terminé. C'est bon, il est temps. Et docteur, moi bien. On nous observe? Je commence à manquer de surface de plancher pour mes calculs. On s'en bat les couilles. Ah, des balles. Une drogue au mentas après. Un psycho. Il a rien, purée, on peut rien tuer ici. Un paquet de trucs inutiles. Putain, j'en ai 50 000, je sais pas pourquoi, mais... Oh putain, j'en ai pris des vides. Je sais pas ce que j'ai pris. Allez Mobius, à nous deux. Oh, bonjour. Vous êtes là, n'est-ce pas? Oui.
Pardonnez ma confusion, mais mes perceptions laissent à désirer ces temps-ci. Vous avez quelque chose de familier. J'imagine que vous êtes là pour votre cerveau. Il est là. C'est un excellent cerveau, hein. Jeune, très brillant. J'ai un peu de mal à vous voir. Pourriez-vous vous déplacer vers la gauche, la droite du champ de vision? Ah, voilà. Votre image devient nette. La perception du relief et des distances est un problème avec ce vieux moniteur. Il m'a lâché il y a un moment, oh, bien avant votre naissance. Il faudrait reconnecter les nerfs optiques, mais l'œil droit ne verrait pas ce qu'il devrait. Ah, le pire, ça a été les tortues volantes. Ça vous dit un petit manta? J'adore les mantas. Délicieux et si neurostimulants. J'ai toutes sortes de pensées et d'idées scientifiques quand j'introduis ces comprimés crayeux dans mon biogel. Mais je ne tarde pas à les oublier à cause des données qui constituent mon noyau mémoriel. Je crains que les flux binaires n'endommagent mon châssis. J'ai dû me mettre à écrire des équations sur le sol et les murs. Je n'arrive plus à retrouver où elles commencent et où elles finissent. Ceci implique des notions préconçues et une hypothèse au sujet de notre rencontre. Je vous en prie, développez à quoi étais-je censé ressembler? Après tout, si votre Mobius hypothétique s'avère mieux que moi, cela pourrait justifier un réalignement cognitif. Oh, pour plusieurs raisons, vous tenez de l'anomachie. Anomalie? Vous sortez de l'ordinaire, et votre boîte crânienne recèle des trésors. Vous voyez, vous représentez l'extraction cérébrale la plus réussie jamais réalisée au grand rien. Une victime de votre succès, en fait. Si vous reveniez avec ce que votre cerveau sait de l'intervention, eh bien... on pourrait le remettre en place, et vous pourriez partir. Il est difficile de garder ici des cerveaux se déplaçant de leur propre chef. Oh, de la curiosité. Elle m'est un peu étrangère depuis que je sais tout. Ou est-ce depuis que j'ai trouvé des réponses assez déplaisantes? Désolé pour le coup de téléphone, mais voilà. Les fantômes ne sont pas réels? Voilà qui change tout. Je peux garder du temps de processeur pour d'autres impossibilités perceptuelles. Je vous en prie, faites! Le récepteur est là. Et tournez le bidule de calage latéral. Bien. Bien. Mieux. Oh! Oh oui. C'est merveilleux. C'est même mieux que ma pause manta de l'après-midi. Ma foi, chaque savant a besoin d'une armée. La mienne m'est apparue avec l'arrivée de ces gros scorpions venus du dessert, comme un glaçage venimeux. Fort effrayant, mais ils avaient survécu là où tout avait péri. Des candidats idéaux à l'amélioration, à titre de récompense pour leur résilience. Alors, j'ai décidé de les rendre plus grands, de les équiper de faisceaux d'énergie et de mégaphones, et de leur donner le comportement dieu mobile. Ensuite,
J'ai pensé à Brownie. J'adore les brownies. Où est-ce le wasabi? Brownie au wasabi. Mmh! Oh, ça me manque, le sucré salé. Je trouve... Oh! Je devais être en plein trip de psycho quand j'ai envoyé ça. J'ai dû rassembler mon courage. Je suis rarement violent. Mais... une fois lancé, oh, il y a tellement de drogues différentes. Quand je prends des mantas, je peux sentir tout mon châssis respirer comme un gros poumon sphérique. Pour ce qui est du psycho, il m'arrive de mélanger les suspenseurs de drogue de ma cuve. Ça passe par le mauvais tuyau, mais ça fait son effet. Vraiment? Peut-être. Je ne peux pas les laisser partir pour une bonne raison. L'éthique ou la conscience. Votre cerveau et vous, vous ressemblez. Hein? Je suis sûr qu'il connaît mieux les raisins que moi. Docteur Mobius. Ah, ça sonne bien, non? Ben, c'est mon nom. Mon nouveau nom. J'ai écrasé l'ancien. Ce nom est aussi vrai que vous et moi. Mais je crois que votre cerveau a exprimé la même incrédulité. Il a parlé d'appellation grotesque. Je connais quelqu'un qui a regardé trop de films de science-fiction de l'ancien monde, a-t-il dit. Je pense qu'il parlait de moi. Je dois reconnaître que j'ai un penchant pour les films parlant de planètes, de robots et de tout ce qui est interdit. Quant à mon nom initial, comme ceux du think tank, j'ai été reprogrammé pour l'oublier et en adopter un autre. Ça renforce la boucle répétitive de la programmation perceptive. Oh, piégé est un mot assez dur, comme excrément. Pas inapproprié, mais assez dur quand même. Mais oui, j'ai pris quelques libertés vis-à-vis de leur programmation. Ce n'est pas très grave. Ils ne s'en souviennent pas. Je ne m'en souvenais pas moi-même, jusqu'à ce que vous parliez de les piéger. Ensuite, j'ai dit excrément. Et ensuite... La clôture radar enfermant le think tank n'aurait pas suffi. Ils passent leur vie à expérimenter. Ils auraient trouvé le moyen de la désactiver. Je pense avoir mis en place des plans C, mais je me suis peut-être programmé pour les oublier. Ils sont sûrement dangereux, mortels, ou pire. Alors j'ai dû trouver quelque chose pour les occuper. Ou comme vous dites, piéger. J'aime avoir plusieurs plans B au cas où les A échoueraient. Oh, vous avez compris ça, sans jeu de mots. Le docteur O, qui n'est pas son vrai nom, multiplié, puisqu'il est impossible de le multiplier. Ouroboros Klein. Ils ont tous oublié qui ils étaient. Moi aussi, le monde, l'écoulement du temps et l'histoire. Tout ce qui reste est ce qui est ici. J'ai reprogrammé leur chronomètre, géomètre et programme de cartographie. Leur univers se résume désormais au grand rien. Ce fut une lobotomie charitable quand j'y repense. Ils étaient mes amis, mais parfois, ils allaient trop loin. Et le monde n'est pas prêt à aller aussi loin. C'est mon opinion en tant que professionnel et... il paraît que j'ai été un grand professionnel. C'est l'intro du cul, là, je pouvais... Désolé d'avoir muté mon micro, mais c'est l'intro du cul. Petit détail, mais le serpent qui dévore sa propre queue est... Vraiment? Oh, c'est simple.
Malgré leurs nombreux défauts, ils sont brillants. Ils ne sont pas le Think Tank pour rien. Sur ce point, je n'ai rien changé. Sans quelque chose pour les distraire, les effrayer, ils auraient déduit ce qui s'était passé. Et quand ils commencent à déduire, votre venue a résolu la dernière variable. Ils ont compris que le monde dépassait leur perception, comme les bactéries voyant enfin leur hôte. D'autres visiteurs les avaient fait douter de leur perception, mais c'est vous qui avez réétalonné leur micro-agrandisseur de moniteur. Vous étiez la preuve irréfutable de l'existence d'un monde à l'extérieur. Et le fiasco du cerveau m'a contraint à prendre des mesures. Vous voyez, votre cerveau présente un sillon d'un type spécial, une iniquité à laquelle ils n'avaient jamais pensé lors de leur tentative d'évasion. Ah, superbe! On devrait se faire ingérer par les mantas. Quoi qu'il en soit, vous avez débarqué au Think Tank. Et parce que vous aviez reçu une blessure au crâne à l'endroit idéal. Les balles dans la tête sont généralement nettement plus fatales. Et vous n'avez subi qu'un cas léger de ballocranite. Mais cela a suffi à contraindre l'autodoc du cloaque à modifier sa programmation. Et pour une fois, l'extraction cérébrale fonctionna comme prévu. Ceci fournit au Think Tank le savoir que ces cerveaux n'auraient pas dû posséder. Grâce à ce savoir, il est possible d'inverser l'intervention. S'ils obtiennent les détails de l'opération, je suis sûr qu'ils pourront se glisser dans des hôtes afin de franchir la clôture radar. Et une fois qu'ils seront au dehors... Oh, pas grand-chose, en dehors du fait qu'ils ont contaminé le grand bien et introduit de nouvelles idées.